Le 6-9, tous les matins, 6h-9h, et le meilleur quand tu veux en podcast sur énergie.fr. Et oui, la Starac avec Nikos, ils ont échappé à... Sandy Sander, c'est la nouvelle star qui se l'est récupérée, vous vous en souvenez forcément. Ouais, c'était beau. Bah, c'était un des gros succès de la nouvelle star. Ouais, oui. Et bah, Sandy Sander, les amis, nous revient. Ah ouais? Absolument, avec un nouveau CD, puis un nouveau style, un style différent, elle le dit d'ailleurs elle-même, elle a voulu s'orienter vers un univers plus posé, plus personnel aussi. Un petit peu l'album de la maturité, tout en étant fidèle à ce qu'elle a toujours été. Bah moi, je suis un grand fan de cette femme. Hein. Elle est vraiment intelligente, sexy, spirituelle. Ouais. On parlait de qui déjà, là? C'est Sandy Sander. Ah non, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Hein. Alors, attention, ce nouveau single, écoutez et jugez par vous-même. C'est enregistré en MP3, hein, le CD. Hein, donc... Là, je vais faire une petite pause quand même avant le refrain. Oui, bah de toute manière, les services de santé demandent de faire une pause toutes les deux mesures hein, quand on écoute du Sandy Sander. N'oubliez hein, pas quand même que les trois plus grandes causes de mortalité en France sont l'alcoolisme, le tabac et l'écoute de Sandy Sander. Hein. Attention, prenez une grande respiration. C'est parti pour le refrain. Allez, oula. Toi, tu détiens le secret de nous. Toi, tu obtiens pour de Le titre s'appelle Le secret de nous. D'accord. Ouais. Le secret de nous. Oui. Ok, bah, moi être surpris. Hein. Moi penser que français dit un autre secret, pas secret de nous, mais moi peut-être complètement à la rue. Je pense que même Philippe Candeloro aurait pas fait cette erreur de français. Voilà, attention. Vous le savez, les talents de la chanteuse n'en sont plus approuvés. Elle les met en avant avec un nouveau clip et notamment ce passage d'opéra. Car je crois qu'on a essayé de voler ta bagnole, elle sonne là. C'est quelque chose. Mais vous souvenez, on vous avait fait écouter d'ailleurs l'enregistrement studio hein, de ces vocalises. Non, non, c'est pas vrai. Stop. C'est faux, hein. Elle est ch'ti en fait. Mais c'est ouf parce qu'ils disent que c'est faux, tout le monde en est quand même pleinement conscient. Ouais. Et ben c'est comme le passage qu'ils ont laissé dans le disque parce qu'ils ont pas réussi à avoir mieux en fait. Alors le disque est pas mal mais c'est reparti aussi avec un clip hein, qu'elle a tourné avec comment te dire un talent d'actrice que je ne soupçonnais pas, écoutez. Allô ? Allô ? Ah non mais ça a rien à voir en fait là elle appelle M6. Ah merde, bon j'appellerai en masqué la prochaine fois. C'est énorme, c'est au milieu du clip, il y a ça. Donc allô, juste énorme. Mais tu m'étonnes, Sandy Sander quand même, c'est pas la gloire. Pourquoi elle reçoit un titre? On l'avait rien demandé. Ça, pourquoi oui, c'est on la question. On l'avait rien demandé. Non mais non plus non. La seule chose que je voulais demander en fait c'est... Juste de silence. Le 6-9, tous les matins, 6h-9h, et le meilleur quand tu veux en podcast sur énergie.fr.